Dans cette vidéo, on va voir ensemble le processus complet de A à Z qui permet de créer une maquette de notes étudiante sur Excel qui soit la plus visuelle, la plus efficace et la plus optimisée possible, notamment en vue de pouvoir récupérer les notes de toutes les maquettes ensuite grâce à Power Query dans un seul fichier sans avoir à faire de copier-coller, de saisie, de trucs comme ça. Donc notre objectif, mon objectif, c'est de vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on va créer tout ça de la meilleure manière possible. Vous allez voir, on va utiliser des trucs comme des tableaux, de la mise en forme, des mises en forme conditionnelles, des formats de cellules, des fonctions, notamment les fonctions si et d'autres fonctions, moyennes, etc. Et on va créer tout ça pour pouvoir avoir des maquettes qui se ressemblent, des maquettes qui sont les mêmes quasiment, à part les notes et les coefficients, et puis les infos là-haut, des maquettes qui se ressemblent, qui vont facilement être envoyables à des intervenants pour qu'ils renseignent les notes de leur matière, etc. Et que vous puissiez collecter toutes ces notes-là à travers un autre fichier qui va être un master fichier, qui va contenir toutes les matières, et puis venir récupérer toutes les notes et calculer les moyennes. Est-ce que les UE sont validés, etc. Donc on va faire tout ça. Je vous montre ce qu'on a. Ici, l'idée, c'est que si jamais quelqu'un a 15, il est 15, la note arrête de se mettre en rouge, ça le calcule une note moyenne, et puis du coup, tout se fasse de manière automatisée. L'idée aussi, c'est que on puisse facilement regarder les personnes qui n'ont pas validé, ni de manière normale, ni au rattrapage. Si je prends les personnes qui n'ont pas validé ici, il y en a plus, et si je prends celles qui n'ont pas validé juste, enfin, y compris au rattrapage, il n'y en a que deux. Donc on va faire tout ça, on va le faire ensemble et on va partir de ça. On va partir de à quoi ressemblerait le fichier de la manière la plus brute possible pour savoir comment on va travailler avec. Vous allez voir que le fichier initialement, moi je vais partir de ce truc-là, avec une seule formule qui est ici et qui est cette formule-là. Et on va tout interroger, tout questionner, tout modifier, tout adapter, tout améliorer, tout optimiser. Bon, après c'est quasiment que les mêmes mots mais des synonymes, hein, pour pouvoir passer de ça à ça, qui est beaucoup plus visuel, qui va vous permettre de beaucoup mieux comprendre et de permettre aux intervenants ou aux gens qui vont remplir les maquettes de notes d'être beaucoup plus à l'aise, de s'y retrouver, de ne pas faire d'erreurs, de ne pas mettre de mauvais trucs qui vont faire foirer les calculs, etc. après. Alors, comment on passe de ça à ça? Je vais le faire tranquillement, je vais vous expliquer chaque truc que je vais faire, mais ce que je vais faire avant tout, c'est que je vais faire une capture d'écran de ça. Je vais la mettre en tout petit ici. Peut-être faire 5 de haut. Voilà, juste une toute petite capture d'écran pour que je puisse de temps en temps la réactiver, la remontrer et faire en sorte de suivre un peu cette idée de process, même si je vais sans doute dévier. Maintenant que je l'ai faite, ça, je vais le supprimer. Je n'ai rien enregistré. Et je vais repartir du coup des mêmes infos. J'ai les mêmes infos brutes, j'ai la note finale ici. Alors la note finale ici, ce que j'avais fait comme formule, c'était ça. Ça fonctionne. Mais nous, on va faire mieux. Donc, en attendant, je vais la supprimer. Et du coup, j'ai surtout le nom de chaque personne. J'ai inversé. C'est pas très grave. Je vais mettre prénom et nom. Du coup, j'ai le nom de chaque personne, les trois notes qu'ils ont eues, parce que là, il y avait trois notes. Et ça, on va le variabiliser. On va faire en sorte que chaque intervenant puisse décider est-ce que c'est deux, trois, une seule note, est-ce qu'il y a des bonus, est-ce que c'est quatre notes, etc. Et ensuite, des points bonus. Et donc, à partir de tout ça, je vais vouloir obtenir une maquette de notes bien efficace sur laquelle je puisse facilement savoir qui a validé, qui n'a pas validé, quel est le pourcentage de gens qui ont validé, qui est au rattrapage, qui a validé après le rattrapage, etc. Donc je remets ça en plus petit et je vais commencer par un peu les bases. Alors moi il y a une base que j'aime bien faire, mais c'est juste quelque chose de esthétique que moi j'aime bien. J'aime bien ajouter une ligne et une colonne en haut vide. Je trouve que ça fait plus propre, mais en vrai vous faites comme vous voulez. Donc pour le faire, moi, sur mon ordi, donc sinon c'est clic droit, vous mettez sur la colonne A, clic droit, insérer. Et sinon, sur mon ordi, c'est contrôle plus. Sachant que si vous n'avez pas exactement le même écran que moi, ça va être peut-être contrôle, la touche au-dessus de contrôle et plus. Donc contrôle, maj plus. Et là, pareil, je me mets sur la première ligne, contrôle, maj plus. Moi, contrôle plus, du coup. Hop. Et cette ligne-là, cette colonne-là, je vais dire qu'elle fait 3 de largeur. Comme ça, j'ai quelque chose de. J'ai le même espace entre ici et ici, ça me fait juste une petite marge. C'est pour la présentation, mais ça rend tout plus beau, plus fluide, plus sympa. Et il y a un autre truc qui rend tout plus beau, plus fluide, plus sympa, c'est, d'après moi en tout cas, c'est d'aller dans Affichage et d'enlever le quadrillage. C'est tout bête, hein. Mais ici, ça ressemble à un fichier Excel. On voit qu'ici, il y a des bordures. Enfin, c'est pas des bordures, c'est le quadrillage.
Ça ne sort pas à l'impression, donc ce serait pas très grave. Mais moi, ça me donne une impression de quelque chose d'un peu vieillot. Après, c'est mes goûts à moi, hein. Et du coup, moi, j'ai l'habitude de l'enlever. Donc, je vais aller dans Affichage et décocher le quadrillage. Et autre truc que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre tout ça sous forme de tableau. Parce que il n'y a pas de meilleur choix que vous puissiez faire dans Excel que de mettre toutes vos données, tout ce qui est de la donnée, ce qui est saisi, ce qui est importé, ce qui est copié-collé potentiellement, mettez toujours tout sous forme de tableau. Donc, dans un tableau, par contre, ce qui est intéressant, c'est que les données qui sont dans une colonne soient toutes de même ordre. Donc là, ici, c'est cohérent d'avoir que des notes et pas d'avoir un coefficient. Donc, c'est-à-dire que ces coefficients-là, je vais les sortir du tableau. Pour les sortir du tableau, bah, je vais simplement, hop, les copier et les mettre. Enfin, même pas les copier, je vais sélectionner ça. Aller sur ce curseur, donc je sélectionne les trois, je vais sur ce curseur et puis je viens les mettre plus haut. Ici, c'est là où elles seront après. Histoire de que vous fassiez bien la distinction, je vais prendre ces colonnes-là et les agrandir un peu, qu'on voit bien. Hop, je vais faire ça. Là, j'ai mes coefficients ici. Et j'ai bien d'autres trucs avant. Et donc cette première ligne ici, je vais pouvoir la réduire. Donc contrôle plus, ça m'a permis d'ajouter des lignes. Contrôle moins, ça va me permettre de les enlever. J'utilise pas trop les raccourcis clavier en vrai. Je vous conseille pas forcément d'apprendre 10, 15, 50 raccourcis clavier différents. Il y en a 4, 5, 6 que j'utilise plus que les autres. Je vous les mets ici. Donc mes raccourcis clavier favoris. Et il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup CTRL-C, CTRL-V pour copier et coller. J'utilise beaucoup CTRL-H pour remplacer. J'utilise beaucoup, on va dire, CTRL-A pour tout sélectionner. Et puis en vrai, j'utilise aussi, vous allez voir, on va voir le CTRL-L. Et après, plus et le moins. En gros, ces trucs-là, à chaque fois, c'est ceux que j'utilise le plus. Donc, je vous mets ce que c'est, copier, coller, remplacer, sélectionner, mettre sous forme de tableau, mettre en tableau, ajouter, souvent ça va être ajouter des lignes, ajouter ligne ou colonne, supprimer ligne ou colonne. Et ça m'arrive aussi, un peu moins souvent, d'utiliser T et E. Et du coup, si je vous donne tout ça en vrai, potentiellement il y en a 9 que j'utilise tout le temps. Ça va être atteindre. On ne le verra pas là. Et ça va être remplir de manière intelligente. Et si jamais je peux vous donner un conseil, retenez que cela. Les autres, je ne dis pas qu'ils servent à rien. Je dis juste qu'aujourd'hui, en 2023, je pense qu'il y a moins besoin de les utiliser, qu'il y a plein d'autres manières de faire qui vont vous permettre de ne pas avoir à utiliser autre chose. Et du coup, si vous retenez ça, c'est parfait. Et mon petit conseil, c'est que ça fait chevalet plus moins. Ça fait, disons, peut-être, ça fait plus ou moins chevalet. Peut-être moyen mnémotechnique. Alors, je ne sais pas comment on écrit mnémotechnique. Mnémotechnique, je crois. Je crois qu'il y a un N comme ça. Mais pour pour les retenir, pour moi, c'est plus ou moins chevalet. Si vous retenez ça, vous pouvez très bien oublier en tout cas une énorme partie des autres raccourcis clavier. Et avec ça, vous pouvez faire l'essentiel de ce qui va vraiment vous faire gagner du temps en termes de raccourcis clavier. Je reviens en arrière, je mets ça de côté. Je vais simplement sélectionner ici l'une des cellules qui est là. Faire CTRL A, donc le A de chevalet, le A de plus ou moins chevalet. Une fois que c'est fait, je vais faire CTRL L pour mettre sous forme de tableau. Et j'ai tout ça qui est sous forme de tableau. Évidemment, vous pouvez très bien le faire sans raccourci clavier. Vous pouvez très bien faire. Vous sélectionnez la première cellule. Hop. Il n'y a pas 300 lignes, hein, il y en a une vingtaine. Vous sélectionnez la première cellule, vous allez jusqu'à la dernière. Et ensuite, vous allez dans Accueil, mettre sous forme de tableau, pardon, accueil, mettre sous forme de tableau, ou dans insertion, tableau. Et c'est la même chose. Moi, je le refais, histoire que ça soit peut-être plus. Je le fais une deuxième fois pour que vous reteniez avec les raccourcis clavier, si vous voulez. Contrôle A. Donc, je sélectionne une cellule, contrôle A, contrôle L. OK. Et du coup, là, j'ai
toutes ces données qui sont sous forme de tableau. Pourquoi c'est important que ce soit sous forme de tableau? C'est que maintenant, si je rappelle, si je mets par exemple note finale, enfin note, si je fais égal la moyenne de ça, alors là, je ne fais pas des raccourcis clavier, j'utilise juste mes flèches directionnelles, mais sinon, je peux faire égal moyenne, et je sélectionne ça, et du coup, il me fait la moyenne. Et l'avantage, c'est que j'ai écrit qu'une seule fois la formule, et il a fait la moyenne sur toutes les lignes. À chaque fois, il s'est dit, bah tiens, je vais faire, on m'a demandé de faire la moyenne dans la première ligne, par rapport aux notes de la première ligne, qu'est-ce que je vais faire dans les autres lignes? Bah, les autres moyennes. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'apprendre des raccourcis clavier, de double-cliquer partout, etc. Quand vous êtes dans un tableau, automatiquement, les formules que vous faites dans ce tableau vont se propager. Alors, je vais garder ça pour l'instant, mais je vais faire mieux après. Déjà, le premier truc que je veux faire, si je veux être consistant par rapport à ce que j'ai fait là et que je vais mettre en... Alors, je vais peut-être faire ça et le mettre en grand ici, que vous puissiez me voir. Donc, si je veux être consistant, faire la même chose, je vais faire un peu de mise en forme, je vais faire ces trucs-là, mais déjà, je vais rajouter une colonne commentaire ici. Et donc, pour rajouter une colonne commentaire, bah, soit je peux me mettre ici et faire CTRL+, ça va rajouter une colonne, soit ça. Par défaut, il préfère rajouter une ligne. Donc, je vais sélectionner une colonne de mon tableau. Quand on est dans un tableau, pour sélectionner une colonne, on ne sélectionne pas ici, même si dans ce cas-là, ça change rien. On sélectionne la petite flèche qui est en haut du tableau. Là, je sélectionne ça, je fais CTRL+, et il me rajoute une colonne que je vais appeler commentaire. Donc là, j'ai mes prénoms, mes noms, commentaire, et à partir de là, ça va être de la saisie. Tout ce qui est ici, ça va être de la saisie. Ici aussi, donc c'est-à-dire que là, c'est déjà pré-rempli pour qu'on puisse travailler, mais sinon, logiquement, ça va être vide, et ça va être à l'intervenant à qui vous transmettez ce fichier, au formateur, au professeur, à l'instituteur, ça va être à lui de remplir tout ça. Du coup, je vais faire un peu de mise en forme pour permettre aux gens de bien identifier, aux gens qui vont utiliser le fichier, de bien identifier où est-ce qu'ils peuvent saisir, où est-ce qu'ils ne peuvent pas saisir, et qu'est-ce qu'ils sont en train de saisir. Et vous allez voir que par rapport à ça, qui est un peu en petit, mais c'est pas grave, par rapport à ça, bah, ici, j'ai une zone où je vais vouloir que les gens saisissent leur nom, la promo, le module et leur nom. Je vais voir qu'ils saisissent les coefficients pour chaque note. Je vais voir qu'ils saisissent les notes, les points bonus, etc. Et du coup, bah, le code couleur que j'utilise, c'est le fait de dire si je veux pas qu'ils saisissent, comme c'est le cas par exemple de la première ligne du tableau, bah, je vais le mettre en foncé ou en plus ou moins foncé. Et vous allez voir, ça va donner ça. Ici, je vais sélectionner cette couleur-là. Je vais le mettre en blanc. Je vais mettre un peu sur le côté, je vais mettre un peu de mise en forme, donc c'est... Tiens, j'ai loupé. Ici, je vais mettre un peu plus haut, on va faire peut-être 20 ou 25. Oh, peut-être 25, c'est trop, je vais faire 20. Donc je fais des lignes un peu plus hautes, parce que c'est mes en-têtes, c'est important, c'est là où il y a plein d'infos. Je veux pas que les gens les loupent. Ici, je vais centrer ça. Je centre d'ailleurs, c'est pas très grave. Je vais mettre comme ça, mettre un peu de décalage, donc je vais mettre sur la gauche, mettre un peu de décalage, et ici, je vais mettre vers la droite. Donc j'ai mis à gauche, mis un peu de retrait, ça s'appelle le retrait. J'augmente le retrait pour décaler un tout petit peu ici, c'est plus propre. Et ensuite, j'ai remis ça vers la droite. Là, je vais agrandir, donc là, je suis en plein dans la mise en forme. Je fais plein de mise en forme, vous allez voir, histoire que ce soit plus esthétique et qu'on comprenne mieux. Ici, je vais faire une bordure comme ça. Mais pour qu'elle soit un peu plus esthétique, cette bordure-là, je vais d'abord lui dire que je veux qu'elle soit en blanc. Donc, je sélectionne les bordures, je suis dans Accueil, je sélectionne les bordures, couleur du trait, ça va être pareil ici. Et ici, pareil, sauf que mes bordures en blanc sur fond blanc, ça aurait pas trop d'intérêt, donc je vais faire mes bordures en bleu. Prendre cette couleur-là que j'ai déjà utilisée à d'autres endroits, faire peut-être ça. Et tout ce qu'il y a là-dedans, je vais le mettre en bleu aussi. Je l'avais mis en gras. Donc là, je vais mettre en gras. Alors je l'ai fait sur celui-là. Celui-là, je n'avais pas besoin. Je vais juste décaler ça. Et ça, hop, j'enlève. Donc là, c'est plus. Je remets un format standard. On va juste remettre un format standard. Ce que j'ai maintenant, c'est que ici, on comprend mieux. C'est un peu plus visuel. Que bah, là, c'est.
des informations par-dessus les autres qu'il va falloir remplir. Là, je voudrais que ce soit un peu plus visuel, que ça, c'est les coefficients de mes notes. Et du coup, je vais fusionner et centrer et écrire coefficient. Et souvent, on dit qu'il ne faut pas fusionner et centrer. C'est faux, en vrai, vous avez tout à fait le droit, c'est tout à fait cohérent de fusionner et centrer des cellules. Petit clin d'œil à Pierre Fauconnier, avec lequel je sais qu'on est d'accord sur ce principe-là. Si vous structurez bien vos fichiers, il n'y a pas de raison de ne pas fusionner et centrer certains trucs. Ce qu'il ne faut pas fusionner et centrer, et de toute façon, ça ne vous laisserait pas le faire, c'est ici, dans un tableau, vous n'avez même pas le droit de fusionner et centrer. En gros, des données, on ne va pas les fusionner et centrer, mais des titres, pourquoi pas. Ça ne gêne en aucun cas la lecture du fichier, donc ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à fusionner et centrer, si vous voulez, des titres que vous avez par-dessus vos données. Donc là, j'ai fusionné et centré, j'ai mis mon titre. Je vais le mettre lui aussi en blanc et en gras. Puis, je vais aussi l'aligner entre le haut et le bas au centre. Donc, verticalement au centre. Et puis ici, pareil, je vais mettre le même code couleur que j'ai utilisé juste avant. Le fait de dire simplement, je veux que ça soit de la saisie. Donc, je vais mettre en bleu et en gras. Ici, c'est bleu et gras pour dire que c'est de la saisie préalable à la saisie dans mon tableau, de la saisie de données. De données un peu, de données clés avant les données de chaque note de chaque étudiant. Donc je fais ça et puis j'avais gardé mes bordures en bleu. Et du coup, je vais juste faire ça. Histoire que ce soit un peu plus propre. Alors je ne dis pas que c'est magnifique, je ne dis pas que c'est parfait. Je vais faire encore un petit truc ici, vous allez voir. Je vais lui dire que là, je veux que ce soit le même code couleur. Et puis ici, je vais faire aussi, je veux que ce soit par exemple 25 de haut. Et sur toute cette ligne-là, donc plutôt que de le faire cellule par cellule ou de sélectionner manuellement, je vais mettre mon curseur là, comme j'avais mis mon curseur tout à l'heure ici, pour sélectionner une colonne. Je vais mettre mon curseur ici pour sélectionner la ligne des en-têtes, la ligne des titres de mon tableau. Et je viens centrer et centrer. Cette colonne, je peux l'agrandir un peu. On va faire en sorte que ces deux colonnes-là, elles fassent 18, on peut avoir des noms un peu plus longs. Cette colonne-là, elle fasse 30 de taille. Et puis ces colonnes-là, qui sont peut-être un peu moins... les notes sont... En général, on ne va pas écrire des notes avec 60 décimales. Donc je vais dire que ça fait peut-être par exemple juste 14. C'est largement suffisant. Voire 12, ça aurait suffi aussi. On va voir ce que je fais. On va voir de la place dont j'ai besoin tout à l'heure. Là, bonus, malus, peut-être... Juste parce que c'est long à écrire bonus malus, je vais écrire 12 aussi, mais ça pourrait être plus petit, voire 15 peut-être. Et puis ici, je vais écrire 15 aussi. Hop. Je changerai après, mais comme ça, j'ai un truc un peu homogène, un peu propre. Et du coup, c'est pas du tout parfait, mais j'ai une base que j'aime bien, sur laquelle je vais faire encore 2-3 petits ajustements. Ici, je vais dire que je veux augmenter le retrait partout. Donc, plus un décalage ici. Et ici, à partir du moment où c'est des notes, partout ici, je vais simplement centrer. Et par exemple, et peut-être partout mettre 2 décimales. Ah non, peut-être pas d'ailleurs. Je vais revenir en arrière. Je ne vais pas faire ça. Hop, je mets des décimales. Alors pourquoi est-ce que là, je ne mets pas de décimales? Et ici, j'en mets. C'est parce que dans le fichier de notes que je vais construire, là, pour vous expliquer, la règle va être que les intervenants peuvent saisir ici des nombres entiers, entre 0 et 20, donc seulement des notes entières. Et ici, ils vont pouvoir remettre des malus ou des bonus avec des décimales. Et ici, ça va calculer une note arrondie à 0,25 points près. Et du coup, en gros, je veux que ici, ce soit des nombres entiers. Donc, j'ai pas besoin des notes entières, pas de demi-point ou quoi que ce soit. Ça va être la règle que j'utilise juste pour vous montrer. Évidemment, vous pouvez faire autrement. Du coup, comme j'utilise cette règle, bah, d'une certaine façon, c'est cohérent que je n'incite pas les gens à avoir des demi-points ou des quarts de points, puisque de toute façon, je ne permets pas de, je vais pas permettre de les saisir. Et du coup, voilà pour ça. Première étape, mettre sous forme de tableau, bien organiser les choses. Je vais encore faire d'autres trucs après, hein, bien entendu, mais j'ai une bonne base. J'ai une bonne base mise au propre par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Et voilà par quoi on commence généralement quand on veut créer quelque chose d'encore mieux après, un outil bien fonctionnel.
on met sous forme de tableau, on s'organise bien, on fait en sorte que ce soit visuel, et puis ensuite on avance. Maintenant que le tableau est correctement fait, donc le tableau, je vais parler du tableau pour la partie qui est avec les étudiants et étudiantes ici, que ça c'est bien isolé des coefficients qui sont bien isolés aussi du module de la promotion et de l'intervenant. Maintenant que tout ça c'est bien séparé, ce que je vais faire, je vais compléter du coup ce tableau à fond pour pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne bien au niveau de pouvoir dire qui a une bonne note, qui est validée, qui est au rattrapage, quelle note il y a eu au rattrapage et d'obtenir en haut des indicateurs sur ça. Donc, je me mets ici et donc je vais faire le travail dans le tableau. Je vais principalement utiliser ce tableau-là. Donc, création. Alors, je vais sélectionner une cellule du tableau. Je vais dans création de tableau ici, qui peut s'appeler tableau ou création, selon les cas. Moi, ça s'appelle création de tableau. Et je vais décocher les boutons de filtre. Alors, j'aime pas trop les boutons de filtre. Je préfère avoir des segments. Donc, simplement, je les décoche. Je vais venir m'occuper ici de dire que sur toute cette plage-là, donc pour la sélectionner, en vrai, le plus simple, hein, moi j'ai encore des mauvais réflexes de certains raccourcis clavier. En vrai, pour toute cette zone-là, les notes, je vais simplement sélectionner ici. Vous pouvez vous mettre au-dessus de votre tableau, vous utilisez le curseur jusqu'à ce qu'il soit comme ça, et vous restez appuyé pour sélectionner toutes les notes dans les trois colonnes. Comme ça, vous avez une sélection qui est facile et parfaite, et sans erreur, et sans problème, etc. Et je vais dire que toutes ces notes-là sont forcément des nombres entiers. Donc l'intervenant qui va saisir des notes va pouvoir saisir pour ces notes-là uniquement des nombres entiers. Alors c'est un choix, hein, juste histoire de commencer tranquillement, je commence par ça. Et je vais dire du coup que ici on peut choisir des nombres entiers entre 0 et 20. Donc je remonte, j'étais un peu vite. Je vais aller dans, je vais sélectionner les trois colonnes, données. Outils de données, validation de données, et je lui ai dit que je voulais des nombres entiers entre 0 et 20. Et comme je veux que ce soit facile à comprendre pour n'importe qui ne peut pas mettre 0,5 ou quoi que ce soit, je vais mettre un message de saisie déjà, et puis une alerte d'erreur. Mon message de saisie, ça va être, est-ce que je mets un titre? Je vais peut-être pas mettre de titre, je vais juste mettre, veuillez saisir une note entre 0 et 20. Je mets un point, alerte d'erreur, et je vais lui dire ici, la valeur saisie n'est pas un nombre, ou peut-être doit être un nombre entier entre 0 et 20. Donc je vais voir ici, veuillez saisir un nombre entier, ce sera plus explicite entre 0 et 20. Ce qui fait que maintenant, dès que je sélectionne quelque chose ici, j'ai bien ce message qui apparaît. Et si jamais je décide de mettre 21, ça me met ce message d'erreur, mais qui est explicite. Pareil si je mets 17,5. Pareil si je mets 17,5. Et pour les bonus-malus, je vais faire un peu pareil, sauf que je vais lui dire, je vais être un peu plus permissif. Je vais dire que je veux un nombre décimal compris entre, par exemple, moins 3 et 3, pour pouvoir mettre des points bonus entre moins 3 et 3, ou bien sûr entre moins 2 et 2, hein. Tout est possible. Et je vais faire ici, veuillez saisir un nombre de points bonus ou malus entre moins 2 et 2. Alors, juste garder le même ordre. Malus, bonus, entre moins 2 et 2. Et ici, le nombre de points saisis doit être compris entre moins 2 et 2. Alors, j'ai peut-être fait une faute, je crois pas, le nombre de points. C'est un nombre de points qui peut être au pluriel, mais c'est le nombre qui est saisi. Doit être compris, je crois que c'est bon. Et en même temps, de temps en temps, je fais vraiment des fautes bêtes. Donc, si jamais j'ai fait des fautes, c'est pas grave. Vous me le direz, j'en prendrai bonne note. Et donc là, j'ai bien un message différent quand je clique ici de quand je clique ici. Et si je me trompe ici et que je mets moins 4, ça fonctionne pas. C'est entre moins 2 et 2. Du coup, ça c'est pas mal. J'ai fait ma mise en forme.
J'ai fait ma validation de données, je vais faire ma mise en forme conditionnelle. Je vais aller dans Accueil, je sélectionne ça, mise en forme conditionnelle, et je vais lui dire que je veux une mise en forme pour les valeurs qui sont inférieures à. Toutes les valeurs qui sont inférieures à 10, je vais les mettre en rouge. Je vais juste prendre un rouge peut-être un peu plus foncé. Format personnalisé. Remplissage. Et je vais mettre. Alors moi je vois pas trop les couleurs, donc je vais faire de mon mieux. Haute couleur. Je vais prendre un rouge comme ça. J'espère que ça ira. On voit bien que c'est des notes qui sont en dessous de la moyenne. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, puisque ces endroits-là, je dois faire de la saisie, autant les noms et les prénoms sont déjà remplis normalement, autant ici, ça va être de la saisie. Bah, sur ces trucs-là, je vais mettre une couleur plus claire, ou je vais mettre un blanc ou un gris, on va voir. Peut-être juste mettre une couleur plus claire, comme ça. Donc je regarde par rapport à ce que j'avais là. Alors moi j'avais même mis en blanc ou en gris très clair, ça rendait peut-être un peu mieux. Je vais faire un gris très clair. Donc peut-être celui-ci. Hop, ouais, je fais ça. Donc bien entendu, encore une fois, les goûts et les couleurs, chacun choisit. N'hésitez pas à faire différemment de moi si vous n'êtes pas fan. Pas de problème. Alors je suis sur quelle couleur de tableau? J'ai un doute. J'ai pris quoi comme couleur de tableau histoire d'être homogène? J'ai pris ce qui est ici, donc là je vais peut-être sélectionner ça. Accueil, une couleur de bordure. Je vais prendre cette couleur là, je pense. Et lui dire que je veux mettre une bordure comme ça. Oh. Bon, si c'est très bien. Je pourrais mettre un gris aussi. Comme ça me sépare un peu mes zones différentes. Donc là j'ai la zone, on pourrait faire ici aussi, hein, mais. Hop, ça sert pas forcément de le faire partout, mais là j'ai vraiment des zones différentes. Là j'ai les informations des personnes, là j'ai les commentaires généraux, là j'ai les notes, là j'ai les bonus-malus. Je pourrais décider de ne pas séparer ça d'ailleurs. À partir de là, je vais calculer les notes, validations, etc. et laisser un autre espace pour les rattraper. Donc voilà, je fais ça, je regarde un peu ce que j'avais fait. Tiens, j'avais fait un autre truc qui me paraît cohérent, c'est que sur toute cette zone-là, par principe, je vais vouloir inciter les gens à faire de la saisie. Pour ça, je vais mettre que ce qu'ils saisissent, c'est en couleur, comme ça. En gras et en couleur. Et ici, je vais réinsister sur ça. Mise en forme conditionnelle. Gérer les règles. Modifier. Et je vais dire que non seulement le format change, mais je vais mettre aussi une couleur. Donc le remplissage change. Je vais mettre une couleur qui va être du rouge foncé, je pense, ce rouge-là. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Évidemment, encore une fois, les goûts et les couleurs. Là, je vais faire pareil, juste histoire d'éviter l'erreur, d'éviter de mettre un point bonus alors que c'était un point malus. Je vais faire une mise en forme conditionnelle, inférieure à. Alors, je vais peut-être. Comment je vais faire? Je vais peut-être dupliquer celle-ci. Donc, mise en forme conditionnelle, gérer, comme ça, je serai sur le même rouge. Je vais la dupliquer. Je vais l'appliquer, cette deuxième ABCDEFGH, que à la colonne H. Et je vais lui dire que celle-ci, c'est si c'est inférieur à 0. Puisque là, je suis dans les points bonus-malus, qui donc peuvent être négatifs. Alors tiens, voilà ce que j'ai fait. J'ai disparu. Ça arrive. Bug visuel, ça arrive. Donc là, si je mets moins 1,5. Ça passe bien en négatif. On le visualise bien. Ça, c'est négatif. Alors que ici, 1,5, c'est positif. Et un autre truc que je peux faire, pour qu'on comprenne bien que ça, c'est pas sur 20, mais que c'est un bonus, je vais sélectionner ça. Nombre. Format de cellule. Et je vais mettre que je veux un format personnalisé qui mette un plus devant. Au cas où, c'est un nombre positif. Ça va être un peu mieux, vous allez voir que le 1,5 ici va devenir plus 1,5. Et faire la même chose avec un moins devant, mince, un moins devant pour les nombres négatifs. Et moi j'aime bien parce que c'est un peu plus explicite. Ça change pas grand-chose, hein, c'est juste un tout petit peu plus explicite. Et du coup, bah ça me va très bien pour pouvoir saisir des notes et permettre à quelqu'un de saisir des notes. Par défaut, la personne voit ça. Donc là, c'est pas mal.
ce que je vais faire maintenant, c'est m'attaquer au calcul de la note. Parce que là, j'avais calculé une note qui était simplement la moyenne de ça. Déjà, je pourrais rajouter ça, mais même si je rajoutais ça, ce serait considéré que ces trois notes se valent. Et que avoir 16, 13 et 12, c'est kiff-kiff en termes de pondération. Alors que là, donc ce qui donne ce résultat-là, alors que là, normalement, ma pondération, c'est que le 12 devrait l'emporter sur les deux autres. Donc si entre ça et ça, j'ai 14 et demi et que là, j'ai 12, je devrais avoir plutôt une note qui est aux alentours de 13,2 peut-être, comme ça, plutôt que 13, quasiment 14. Donc ma pondération, ça va être celle-ci, que je vais appliquer à ces notes-là. Ça va être pareil pour le reste. Donc moi, ce que je vais vouloir faire, c'est calculer les notes. Pour calculer les notes, alors je vais supprimer déjà ce que j'ai, sachant que j'avais 13,67. Alors peut-être je vais le copier comme ça. Je vais faire ça. Comme ça me rajoute ça. Je viens coller ça. Donc là, j'avais mes anciennes notes, et vous allez voir, je vais calculer des notes qui vont tenir compte de la pondération. Donc je vais faire somme prod de ça, point virgule, ça. Voyez que ma note, j'avais dit 13,2, enfin, c'est un peu au-dessus d'ailleurs. C'est bon pour la première note, pour les autres c'est n'importe quoi, c'est pas grave. Pour les deux autres c'est n'importe quoi, parce que ici il fait plus 25%, 25% et 50%, mais il fait ça. Pour faire ça, j'ai deux manières de faire. Je peux mettre des dollars ici, dollars ici, dollars ici. Ensuite, c'est bon. J'ai des notes qui sont beaucoup plus cohérentes. Ici, j'avais 18,33, j'ai 18,25. Il n'y a pas d'énormes changements, mais ça pourrait dépendre de certains cas spécifiques. Ici, je gagne un demi-point parce que je passe de 15, d'une note qui valait 15, mais qui valait que un tiers, à une note qui vaut 15, mais qui vaut 50%. Évidemment, ce n'est pas là où il y a d'énormes changements. Si je mettais 20, évidemment, on aurait une petite différence quand même. Et si les autres, c'était genre 8 et 8, bah, la différence serait encore plus grande, hein. 2 points complets d'écart entre une moyenne qui tient compte de la pondération et une moyenne qui ne tient pas compte de la pondération. Simplement, j'ai dit, bah, je peux mettre des dollars. Moi, en vrai, je ne vous encourage pas à mettre des dollars aussi. Je vous encourage peut-être même pas à apprendre ce que ça veut dire et comment ça fonctionne. Parce que les dollars, pour moi, c'est un truc dont aujourd'hui, on peut se passer. Comment je vais m'en passer? Je vais dire simplement que ça, tout ça, à partir de maintenant, je l'appelle coefficient. Ou, moi je mets souvent les, quelque chose, les, le, etc. Donc je vais appeler ça les coefficients. Vous l'appelez comme vous voulez, je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'espace, de underscore, je crois que ça fonctionne si je mets ça aussi. Non. Donc je vais l'appeler les coefficients. Je fais ça, et donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, cette zone-là s'appelle les coefficients. Si je lui dis plutôt, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure, sum prod de ça, maintenant, il va plus m'écrire la plage, il va m'écrire les coefficients. Point virgule. Si je mets ça, pareil, là, il ne me met pas que c'est E7 jusqu'à G7, il met le nom de cette plage-là dans ce tableau. Et si je fais ça, vous voyez que j'ai plus besoin des dollars, et j'ai quelque chose qui est nickel, qui va bien tout le temps prendre ça. Quel que soit l'endroit où je suis, ça prend toujours les coefficients qui sont ici. Une fois que j'ai ça, je vais faire plus mon malus, mon bonus ou mon malus d'ailleurs. Et là, j'ai une note qui tient bien compte de ma pondération et de mon bonus-malus. Est-ce que c'est ce que je veux? Ouais, plutôt ouais. Mais imaginons que j'ai. Alors, je vais peut-être devoir changer. Imaginons que je mette plutôt que ça, c'est 20 et que ça, c'est 55. Je vais avoir des notes comme ça. D'ailleurs, je vais peut-être mettre 22 et 53, juste pour que vous voyez. Je vais avoir des notes comme ça, et ces notes comme ça, c'est pas des notes que j'aime bien avoir. On va dire que moi, ce que je veux, je remettrai des coefficients plus cohérents après, hein, bien sûr, mais je pourrais mettre d'ailleurs 33, 33, 34. Alors là, évidemment, on serait très proche ici. Ou voilà, ça, c'est très bien. Et du coup, là, j'ai des notes pour lesquelles j'ai des centièmes de points. Parce que ça, c'est des centièmes de points. Alors que moi, ce que je voudrais, c'est avoir maximum des quarts de points. Que mes notes, pas finales, mais que mes notes calculées, mes moyennes calculées, à partir de mes notes, me donnent soit 15 points pile, par exemple, soit 15,25, soit 15,5, soit 15,75, soit on passe à 16.
Et pour faire ça, ce que je vais utiliser, c'est une fonction qui s'appelle arrondi au multiple. Donc arrondi au multiple. Arrondi au multiple, contrairement aux trois autres fonctions arrondies, je peux facilement lui dire que mon multiple, c'est un multiple de 0,25. Et du coup, il ne me fait que des trucs arrondis à 0,25 le plus proche. Alors, le plus proche, de temps en temps, c'est en défaveur de la personne, hein, parce que si jamais la personne avait 0,31, l'arrondi le plus proche, c'est 0, enfin, 13, si elle avait 13,31, elle se retrouve avec 13,25. Donc, en vrai, je peux me dire aussi, pour être sympa, plutôt que de faire arrondi au multiple, je vais faire plafond. Plafond de ça, pardon. Donc, je vais remplacer ma fonction arrondi au multiple par plafond. Si je veux être plus sympa avec vous, je vais faire ça. J'ai mon subprod, plafond, de ce nombre-là qui est calculé, point virgule, 0,25. Là, c'est parfait. Il y a un seul sujet qui pourrait poser problème. Imaginons que ici, quelqu'un ait eu 20, 20 et 20. Il se retrouve à 21 de moyenne. Du coup, ça pose un léger problème parce que personne ne devrait pouvoir avoir 21 de moyenne. Pareil, quelqu'un qui a eu 0, 0, 0 et qui se retrouve à moins 2, bah, il a moins 2 de moyenne. Évidemment, ce n'est pas possible. Bon, alors les cas négatifs, autant je ne vais pas en tenir compte parce qu'il y a peu de chances que ça arrive. Par contre, les cas positifs, bah, je vais en tenir compte. Je vais peut-être me mettre ici 20, 20 et 1. Et du coup, je vais simplement autour de ça faire une fonction qui s'appelle min, dans laquelle je vais dire prends le minimum entre la note qui est calculée et 20. Dans tous les cas, il va prendre la note qui est calculée, sauf si la note qui est calculée est au-dessus de 20. Et à ce moment-là, il va simplement se rabattre sur 20. Il va dire le minimum entre 20, 20,5 et 20, bah c'est 20. Et du coup, bah moi, j'aime beaucoup faire ce genre de truc-là. Plutôt que de faire une fonction si, parce que sinon j'aurais dû dire si ça fait plus de temps, alors je fais ça, etc. Et donc juste intégrer une fonction min avec un nombre qui est une limite à 20 ou à 0, c'est une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus élégante, beaucoup plus efficace pour gérer la complexité de borner une note ou une prime ou autre chose à une borne haute ou une borne basse. Évidemment, dans l'autre cas, si j'avais voulu borner à 0 minimum, j'aurais fait un max entre 0 et la note. Donc là, je vais reprendre mes notes initiales. Je ne sais plus ce que j'avais, juste pour que ce soit cohérent avec vous. Non, peut-être laisser la même chose que moi. Et donc, vous voyez bien que ici, c'est bon. Donc, c'est-à-dire que cette colonne-là que j'avais utilisée, elle ne me sert plus à rien. Maintenant, j'ai mes vraies notes. Et on a déjà fait un énorme travail entre la validation de la donnée, la mise en forme conditionnelle, les formats de cellules et ici, le calcul d'une note qui tient compte des coefficients, qui tient compte d'un arrondi à 20, 0, à au quart de point près, et qui tient compte d'un maximum à 20 points, et ben voilà, on a déjà fait beaucoup et on va attaquer la suite. Ce que j'ai maintenant, c'est plutôt bien. Et en vrai, à partir de ça, je pourrais facilement faire, alors comment je vais appeler ça? Statut, et statut final après, donc statut. Et dire bah si, alors tiens, c'est marrant, il m'a fait comme si j'avais mis une couleur là-dessus alors que j'en avais pas mis, donc je vais juste dire que j'ai aucun remplissage, comme ça je repasse aux couleurs standard de mon tableau. Donc j'ai statut, je vais peut-être alors je vais peut-être prendre ça, mettre ici, on va voir ce que ça donne, et coller la largeur des colonnes pour avoir une largeur des colonnes homogène. On va voir, je regarde un peu ce que j'ai ici. Désolé, voilà. Hop, je vais faire ça, je vais commencer à dézoomer peut-être juste après pour avoir quelque chose qui tient bien sur cette taille-là. Ici, mon statut, bah, logiquement, ce serait quelque chose comme ça. Si ça, c'est supérieur ou égal à 10, mon statut, donc une fonction si, la fonction si, elle a trois arguments, je le vois ici. Si je me mets là, je le vois là. Si j'ai mon test logique, est-ce que la note est supérieure ou égale à 10? Si c'est vrai, je vais mettre valider. Sinon, je vais mettre rattrapage. Alors, pareil,
il a mal compris, il a mal interprété les signes, on va dire, que du coup il m'avait mis une mauvaise couleur, il m'avait mis en gras, je veux pas que ce soit le cas. Et du coup j'ai ça. C'est plutôt bien, sauf qu'il y a un truc qui est un peu défectueux, c'est que si là j'ai 25, 25 et 25, quelqu'un qui se trompe, hein, un intervenant qui se trompe, bah ça me dit que quelqu'un qui a eu 16, 13 et 11, il a 10 sur 20. Alors que normalement, il devrait avoir bah, plutôt 13 sur 20 ou 13 et demi ou un truc comme ça. Si je fais égal la moyenne de ça, parce que là c'est trois fois le même coefficient, c'est quelqu'un qui devrait avoir 13 sur 20. Pas du tout. 13,33. Pas du tout, quelqu'un qui devrait avoir 10 sur 20. Et pourquoi est-ce que ça me fait ça? C'est parce que ici, pour que les coefficients soient cohérents, il faudrait que ces coefficients, soit que je ne les ai pas exprimés en pourcent, ce qui est tout à fait possible, j'aurais fait autre chose, soit que la totalité fasse 100%. Et du coup, bah, c'est juste mettre une alerte pour dire attention, parce que ce que je veux faire mes calculs, que ce soit celui-là ou celui-là, seulement si la somme de tout ça, ça fait 100%. Et donc je vais faire si la somme, donc la somme de tout ça va être égale somme, je le mets à côté, que vous voyez bien, de tout ça, et ça s'appelle toujours les coefficients. Donc si la somme de ça est égale à 100%, alors je fais mon calcul, sinon je mets coefficients différents de 100%. Donc je vais faire si. Je vais laisser un peu de place, que vous voyez bien. Si la somme de ça est égale à 100%, je pourrais mettre est égale à 1, mais ce serait peut-être plus difficile ensuite pour vous comprendre, pour vous relire plus tard. Donc si c'est égal à 100%, je mets mon calcul. Alors je vais peut-être commencer à sauter des lignes. Juste comme ça, vous allez mieux voir, tout le monde va mieux voir. Si la somme de tous mes coefficients c'est égal à 100%, je fais mon calcul. 1, 2, 3, je vais juste mettre des espaces. Sinon, point virgule. Donc je me mets ici, je vois que j'arrive sur mon sinon. 1, 2, 3, je vais mettre coef différent de 100%. Je mets un message. Donc si ma somme elle est égale à 100%, je fais le calcul que j'avais fait, sinon coef différent de 100%. Donc là, il me dit, bah tiens, coef différent de 100%. J'ai de la chance, ça tient pile là-dedans. J'aurais pu, tiens, je vais enlever la phrase, je vais la réutiliser tout à l'heure. Coef différent de 100%. Hop, je supprime ça. Si jamais maintenant je mets 50%, là, il fait bien le calcul. Si je mets 55, pareil, j'ai une erreur. Ça ne fonctionne pas. Parce que bah, ce ne serait pas cohérent. Donc, je vais remettre 50%. Là, logiquement, j'ai quelque chose qui est bien. Je vais juste peut-être. Et je vais faire la même chose ici. Ici, je vais vouloir mettre une deuxième condition, une condition préalable au reste. Le problème, c'est que j'ai pas envie de faire un si dans un si, dans un si, dans un si. Notamment après, vous allez voir que je n'ai pas envie de faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ça, c'est pas une fonction si, c'est une fonction si condition, dans laquelle je vais pouvoir dire ma première condition, c'est ça. Si ça, c'est validé, je fais ça. Et donc, je vais dire, hop, ma première condition, je vais mettre ici. Si la somme de mes coefficients est différente de 100%, je vais mettre coef différent de 100%. Pourquoi je le fais dans cet ordre-là? Ça va être juste plus simple à gérer le fait de dire d'abord, je mets chaque truc qui peut poser un problème, qui doit nécessiter que j'arrête tout de suite. Donc là, je vais dire, si la somme des coefficients est différente de 100%, je mets ce message d'erreur. Sinon, si la note est supérieure ou égale à 10, je mets valider. Le problème, c'est que ici, dans la construction, je suis obligé de faire un autre test logique. Et donc, je vais faire un test logique en disant est-ce que la note est inférieure à 9? Mais en vrai, de toute façon, puisque la note n'est pas supérieure ou égale à 10, elle est forcément inférieure à 9. Et du coup, je vais lui dire, sinon, dans tous les autres cas, et tous les autres cas, je peux utiliser le résultat vrai, parce que ce n'est pas un mot. Là, c'est une sorte de nombre qui vaut 1 et qui vaut vrai en même temps. Donc, je peux utiliser le résultat booléen, qui n'est pas non plus un résultat, mais la valeur booléenne vraie, pour dire dans tous les autres cas. Donc moi, souvent, mes six conditions, je les termine par des vrais quelque chose. Donc, je vais valider, mais juste pour que ce soit plus clair pour tout le monde, je vais faire ça en sautant à nouveau des lignes. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Peut-être même, je peux sauter une ligne ici. Comme ça, on voit mieux. Mais j'aurais pu le faire ici aussi. Donc, moi, mes fonctions, de plus en plus, pour éviter des trucs qui soient très longs, écrits sur une seule ligne, pas facile à comprendre, pas facile à relire, pas facile à modifier, de plus en plus, je vais sauter des lignes. Et j'aurais pu même sauter une ligne ici. Ça peut être cohérent de dire 6 conditions. Voilà ma première condition, voilà le résultat qui va avec. Voilà ma deuxième condition, voilà le résultat qui va avec. Voilà ma troisième condition, c'est dans tous les autres cas. Hop, je mets ça. Et dès ici, j'aurais pu utiliser 6 conditions. En vrai, j'aurais pu le faire. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Je vais peut-être juste faire ça quand même. Hop, 1, 2, 3. Du coup, là, j'ai quelque chose qui est bien, parce que si jamais je dis que bah, finalement, là, c'est 40%, il me dit, attention, Martin, il y a une erreur. J'ai tout à fait le droit, si je veux, vaut mieux que je le fasse ici, mais je pourrais tout à fait rajouter une note, ici, que j'appelle note B, n'importe, et dire que, bah, ici, c'est, du coup, 10%. Et là, je vois que j'ai plus mon message d'erreur parce que la somme de tous mes coefficients, c'est bien 100%. Alors, je le fais pas pour plein de raisons. En vrai, la structure qu'on fait là, elle permet de gérer ce truc-là sans problème. J'ai juste pas envie de le rajouter pour pas que ça fasse 4 ou 5 ou 6 notes différentes. Là, on a déjà 3 notes et un bonus. C'est déjà largement assez pour comprendre. Donc, voilà. Donc là, je vais rajouter... ici j'ai une fonction si parce que j'ai qu'un seul truc, mais j'aurais pu mettre 6 conditions. Ici j'ai plusieurs conditions. Est-ce que le coefficient est différent de 100%? À ce moment-là je mets erreur coefficient. Sinon, est-ce que la note est supérieure ou égale à 10? À ce moment-là je mets valider. Sinon, je mets vrai. Sinon, dans tous les autres cas, je mets rattrapage. Et voilà bah, comment gérer un peu cet enchevêtrement de conditions sans que ce soit un imbroglio de conditions en disant vraiment 6 conditions, on fait ça, sinon on fait ça, sinon on fait ça. On peut faire le même genre de logique avec la fonction si multiple. Donc moi, j'ai utilisé si.condition, il y a aussi si multiple. N'hésitez pas, si vous avez vos habitudes dedans, à aller voir, ou si vous trouvez que la fonction si condition n'est pas si claire que ça, faites un si multiple, n'hésitez pas. Il y a d'autres, justement, avec si multiple, on peut parvenir au même résultat. Et par contre, je vous déconseille de faire si avec un autre si dedans, avec un autre si dedans. Pourquoi je vous déconseille de faire ça? C'est parce que les si imbriqués vont être plus durs à relire plus tard. Et que du coup, prendre dès maintenant le pli de faire les bonnes fonctions au bon moment, c'est mieux pour vous, pour l'avenir, pour être tranquille. Deux derniers petits trucs que je vais faire ici. Hop, et ensuite je vais m'attaquer au rattrapage, aux notes de rattrapage et à tout le reste. Ici, je vais lui dire que je vais faire une mise en forme conditionnelle. Hop, qui va mettre en bleu les notes. Et je leur fais tranquillement. Ici, mise en forme conditionnelle, barre de données, ça. Si je réduis ça pour que tout le monde voit mieux, j'ai ici des notes qui vont bah, du coup de 0 à 20. Par contre, le problème, c'est que si j'avais quelqu'un qui avait 17, 15 et 19, hop, il aurait 18 et demi. Si là, il y avait quelqu'un qui avait que 15 ou 11 et 12, bah, ma note maximum, là où ce serait rempli à fond, c'est ici. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je voudrais que ce soit rempli à fond seulement pour le 20. Donc, je vais juste sélectionner une des cellules sur lesquelles j'ai fait une mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et une fois que j'ai fait ma mise en forme conditionnelle, je vais juste appliquer un changement qui est de dire le minimum, ce sera toujours un nombre qui est à 0. Le maximum, ce sera toujours un nombre qui est à 20. Et comme ça, vous avez entièrement la main sur vos mises en forme conditionnelles. Je fais ça. Donc là, on voit que personne n'a obtenu le 20 parce qu'on n'est jamais au bout du truc. Alors moi, j'ai l'habitude de travailler plutôt en 80%, comme ça. Je vais rester en 80, je vais peut-être me mettre en 90 maintenant. Mais du coup, du premier coup d'œil, on peut voir, tiens, bah, y a quelqu'un qui ressort, une note qui ressort en positif, une note qui ressort en négatif, etc. Je vais faire un deuxième petit truc qui est ici. Je vais le faire comment? Je vais faire comme ça. Non, je vais faire comme ça. Si, voilà. Hop. Je vais sélectionner ça,
Alors, je regarde ce que j'avais fait juste pour faire à peu près la même chose. Voilà. Je sélectionne ça. Ici, je vais mettre une couleur comme ça. Là, je vais dire que ça, c'est la moyenne. Et je vais faire la même chose ici. Et là, je vais dire que c'est le pourcent validé. Pourcent validé. Bon, tiens, j'avais mis un S. Je vais mettre un S aussi. Et je vais peut-être mettre une petite barre verticale blanche entre les deux, une bordure verticale blanche entre les deux. Et donc la moyenne, bah, ça va être égal à la moyenne de ça. Encore une fois, je suis dans un tableau, donc je ne vais pas sélectionner les cellules comme ça. Je vais juste me mettre au-dessus et faire ça. Et hop, j'enlève les décimales. Et je vais venir centrer ça. Et ici, le nombre de pourcents qui sont, de personnes qui sont validées, ça va être est égal à nombre si ensemble. Alors on pourrait faire avec une fonction nombre si, moi j'aime bien utiliser nombre si ensemble dans tous les cas. Nombre de si ensemble là-dedans, de personnes dont le pour lesquelles il y a marqué le mot validé. Il me dit qu'il y en a 17, et si je regarde ici, il y a 23 personnes. C'est-à-dire qu'avant le rattrapage, il y a 17 divisé par 23, et pour diviser par 23, je vais faire être égal à nombre val de ça. Et là, ça me donne que 17 divisé par 23, ça fait 74% de personnes qui sont validées. Donc c'est exactement ce que... Alors, c'est pas le même résultat parce que j'ai changé un peu des trucs, mais j'ai 74%. Le seul truc qui va rester à faire avant de passer au statut, aux notes de rattrapage et au reste, ça va être de mettre en surbrillance. Je rajouterai des segments après. Mais je veux leur mettre en surbrillance la totalité de la ligne des gens qui sont au rattrapage. Pour faire ça, je vais sélectionner ça. Mise en forme conditionnelle. Et là, je peux utiliser aucun des trucs là, parce qu'il faudrait que j'ai quelque chose de commun dans toutes les lignes. Alors que moi, dans chacune des lignes, je vais vouloir regarder seulement ce qu'il y a dans la dernière colonne. Donc je vais faire nouvelle règle, et je vais créer ma propre formule. Ça, c'est des mises en forme conditionnelles un peu avancées. Je vais lui dire dans ma formule que dans la colonne J, donc dollar $J, et seulement dans la colonne J, mais par contre dans la ligne 7, puis 8, puis 9, etc. Donc je vais pas bloquer le 7. Donc là, je vais utiliser un dollar. En vrai, j'ai dit tout à l'heure que les dollars valaient mieux pas les utiliser. Il y a encore des exceptions, notamment dans les mises en forme conditionnelles, en tout cas pour l'instant. Et du coup, je vais lui dire si ça c'est égal, donc ce qu'il y a dans la ligne 7, mais dans la colonne J, sachant que la colonne ce sera tout le temps la colonne J, alors que la ligne ce sera pas tout le temps la ligne 7, si ça c'est égal à rattrapage, alors je vais mettre une mise en forme. Voir cette mise en forme, ça va être simplement le fait que je mette des bordures, je pense. Je vais mettre des bordures rouges, couleur rouge, au-dessus et en dessous. Hop, je fais ça. Du coup, ça met en évidence sans non plus empêcher de voir le reste et surtout en me laissant une possibilité de faire encore plus rouge si jamais la personne a raté, y compris le rattrapage. Mais là, ça met bien en évidence les lignes des personnes qui sont au rattrapage. Et évidemment, si ici, bah, c'était un 15, et bah, cette ligne ne serait plus en rouge. Cette ligne-là est passée de en rouge à pas en rouge parce que ici, la note et du coup le statut est passé de en dessous de 10 à au-dessus de 10. Donc évidemment, je pourrais aussi mettre le mot rattrapage en rouge. En vrai, moi, je préfère me faire la ligne en entier qui est en rouge. C'est un peu plus simple. Ça va être un peu plus facile en lecture pour plein de trucs. Et donc voilà pour cette partie-là. Et puis ensuite, on va s'attaquer à la partie d'après qui va être la même chose, en gros, mais pour les notes finales, statut final, etc. Et à la partie, la dernière petite partie qui va être de mettre des segments au-dessus pour pouvoir facilement faire des focus sur les personnes qui sont au rattrapage et les personnes qui sont validées. Donc maintenant qu'on a tout bien fait pour les notes et les statuts, on a des gens qui sont au rattrapage et on va tout bien faire pour les rattrapages aussi. Et du coup, les notes qui vont avec et les statuts qui vont avec. Je vais rajouter ici notre rattrapage, note finale et statut final. Donc, note
rattrapage. Note finale. Alors ça, je vais le supprimer. En vrai, j'en ai plus besoin puisque je l'avais mis en grand ici. Et du coup, statut final. Bon, moi, j'aime bien avoir une petite colonne qui fait 3 derrière. Mais c'est juste parce que sinon, je suis perdu dans mes habitudes d'avoir une colonne qui fait la même taille que là. J'ai besoin de symétrie un peu. Là, je vais le copier et mettre ça là. Et ici, je vais mettre de la même manière que ça, hop, une note. Alors, j'ai mis quoi? Je vais mettre une note et encore, je pourrais juste mettre un statut. Je vais peut-être mettre... Je vais mettre une note. En vrai, on va mettre une note. Je ferai sans doute différemment dans une V2 que je ferai après. 16, voilà, notre rattrapage. Donc, dans le principe, les notes de rattrapage, évidemment... Il va y en avoir que pour les gens qui étaient au rattrapage. Pas mettre cette mise en forme conditionnelle. Donc, effacer les règles. Et je vais juste dire, bah voilà, ici, telle personne elle a 10, telle personne elle a 12, puis là, 0, 12, 0, 10. Voilà, je mets personne en dessous de 10, je mets personne au-dessus de 12. Évidemment, vous pouvez faire autre chose. Mais si quelqu'un au rattrapage, bon, je peux mettre hein, ici 5. Quelqu'un au rattrapage a eu 5, bon bah voilà, il est encore pas validé. Donc, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et juste comme j'ai rajouté des colonnes à mon tableau, pour ce truc-là, bah, je vais le rajouter aussi ici. Donc maintenant, ça va jusqu'à M. Que pour la première, que pour celle qui doit s'appliquer à toute la colonne. Ma note finale, forcément, ça va être... Si ma note était déjà, du coup, si le statut était validé, ma note finale, ça va être ma note d'avant. Sinon, ça va être ça. Et du coup, je vais faire un si, juste une fonction si, là, logiquement, juste une fonction si. J'ai pas besoin de reprendre mon si condition en excluant ça. Évidemment, je peux le faire si j'ai envie de faire les choses bien. Peut-être que je vais faire exprès de le faire pour faire les choses bien. Donc, je copie tout ça. Donc j'ai pris ça, je copie tout, je vais me mettre là, et je vais faire. Si la note est supérieure à 10, donc si la note qui est ici est supérieure à 10, je vais prendre, je vais pas écrire valider, je vais mettre la note qui était là, point virgule. Sinon, je vais mettre la note qui est là. Non, parce que là, du coup, j'avais quelqu'un qui avait 5. Imaginons quelqu'un qui avait 9,5 et qui se retrouve, donc qui est au rattrapage, mais qui ici a 0. Je voudrais que sa note, ce soit 9,5. Donc sinon, je vais faire. Sinon, je vais mettre la note maximum, le max, entre. Alors, attendez, je vais faire ça. Le max entre cette note, point virgule, cette note. Donc si la personne. Est au rattrapage, sa note finale, ce sera la note maximum entre la note qu'elle a eue et la note du rattrapage. Donc évidemment, pour cette personne qui avait eu 9,5, sa note finale, c'est 9,5, parce qu'elle a eu 9,5 puis 0, donc sa note finale, c'est 9,5. Donc je centre ça, je mets juste le fait que je veux bien deux décimales à chaque fois, histoire que ce soit bien propre, comme c'est le cas ici. Je vais aussi mettre des barres de données. Je vais faire juste la même chose, hein, que ce soit bien propre. Ces barres de données, et encore d'ailleurs, je ne vais pas faire ça, histoire de ne pas refaire le travail et de vous montrer les bonnes méthodes. Je vais cliquer ici, gérer les règles, dupliquer, et lui dire que ici, c'est pour la colonne L. Donc, de L à L et plus de I à I. Donc, j'en ai deux maintenant, des mises en forme conditionnelles. Peut-être les mettre comme ça. Alors je vais peut-être juste changer l'ordre. Ça n'a pas du tout d'impact dans ce cas-là. Hop, c'est juste pour avoir un ordre qui est cohérent. Si jamais je dois y retourner, en gros, les trucs les plus à gauche sont les formats qui s'appliquent depuis le plus à gauche. Donc les trucs qui sont en haut s'appliquent depuis le début. Les trucs qui sont en bas vont ceux qui vont être les formats qui s'appliquent, les mises en forme conditionnelles, qui s'appliquent dans les cellules les plus à droite, dans les colonnes les plus à droite. Donc je fais ça. Et puis ici, mon statut final, ça va être
Si la note de rattrapage est supérieure à 10, je mets valider, sinon je mets rattrapage. Donc en vrai, j'aurais pu être plus malin, donc je vais d'ailleurs le changer maintenant. Je reviens en arrière. J'aurais pu prendre directement ce statut-là. Hop, je copie celui-là. Et je change simplement le fait que ici, c'est plus la note, mais la note qui est ici. Donc valider, valider, valider. Cette personne qui avait eu 5, elle a 5, elle est au rattrapage. Cette personne qui avait eu 9,5, elle a eu 0. Elle a toujours 9,5, elle est au rattrapage. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir réduire ça. Je sais que j'ai un truc qui est cohérent. Et du coup, je vais faire une mise en forme conditionnelle légèrement plus complexe. Maintenant, alors je vais peut-être dupliquer celle que j'avais fait. Moi, j'aime bien, j'en fais une, je la duplique plutôt que de refaire de zéro. Dupliquer. Et ici, je vais lui dire que je vais modifier celle-ci. C'est pas si dans la colonne J, il y a marqué rattrapage, mais dans la colonne M, est-ce qu'il y a marqué rattrapage? D'ailleurs, c'est pas rattrapage que je vais vouloir écrire. Alors que je change ça. Ça va être invalidé. Ou non validé. Voilà, non validé. Je veux dire que je veux un format qui va être un peu différent. Je vais faire un remplissage gris, par exemple. Peut-être gris foncé avec une police en blanc et en gras. On va voir ce que ça donne. Et par contre, pour que ça fonctionne, évidemment, ici, il ne faut pas qu'il y ait marqué rattrapage. Donc ma formule n'est pas bonne. Faudrait qu'il y ait marqué non validé. De toute façon, si la personne a raté son rattrapage, elle n'est pas encore une fois au rattrapage. Ça dépend, hein, bien sûr, mais elle est en non validé. Donc là, j'ai ça. En vrai, j'ai envie de le faire légèrement plus foncé. Tout bête, mais juste envie de le faire légèrement plus foncé. Mon remplissage, ça va plutôt être celui-ci. J'ai l'impression que je ne suis pas au bon endroit. C'est ici. Pardon, voilà. Modifier. Format. Je vais faire celui-ci. Très foncé, mais c'est pas grave, voilà. Et du coup, là, j'ai bien pour les deux personnes qui sont au rattrapage, bah, le fait, enfin, qui ont raté le rattrapage, le fait qu'il y ait marqué non validé et que cette ligne-là, en entier, elle soit très grise, très sombre. Qu'on comprenne bien que, y a un statut différent entre quelqu'un qui a raté son rattrapage mais qui a réussi la suite et quelqu'un qui a raté, y compris son rattrapage. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est ça. Je vais vouloir ici pouvoir facilement cliquer. Imaginons que j'ai 60 personnes, 80 personnes, facilement cliquer sur celles et ceux qui sont au rattrapage. Ou qui l'ont raté d'ailleurs. Je vais rajouter deux lignes. Donc je vais rajouter deux lignes. Hop, parce que j'ai besoin d'avoir un peu plus d'espace ici. J'ai besoin d'avoir un peu plus d'espace ici parce que je vais rajouter des segments. Insérer un segment et je vais insérer deux segments, le statut et le statut final. Dans les deux, évidemment, j'ai la même chose. Dans les deux, j'ai soit c'est validé, soit c'est non validé ou rattrapage. Je les copie et je les colle histoire que ça soit au bon endroit. Je vais les agrandir un peu pour que ça fasse la bonne taille ici par rapport à ça, comme ça sera homogène. Donc en gros 5,85, 5,85 chez moi, hein, bien sûr. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que sur ces deux-là, je veux mettre deux colonnes à chaque fois. Donc mes boutons s'écrivent dans deux colonnes et je vais faire ces boutons-là beaucoup plus petits. Alors je vais faire 2,5, hein. On va voir. C'est encore beaucoup trop gros. Je vais faire comme ça. Hop, et je vais les mettre ici. Voilà, tout ce que je veux, c'est ça. Que ça s'intègre bien au reste. Je vais peut-être réduire encore ça. Je vais dire que c'est pas 1,8 mais 1,75. Voilà, ça me suffit. Et du coup, le seul but, voilà, c'est que ça s'intègre bien au reste en termes de place et que je puisse facilement voir ceux qui sont au rattrapage, voir ceux qui sont pas validés du tout. Parmi ceux qui étaient au rattrapage, il y en a qui sont validés, il y en a qui sont pas validés. Donc, si je prends ceux qui sont au rattrapage mais qui ont validé, les voilà. Si je prends ceux qui sont au rattrapage mais qui n'ont pas validé, les voilà. Évidemment, en tout, il y en avait 6. 4, 4 plus 2, c'est bien ceux que je retrouve là et ceux que je retrouve là. Je vais faire ça. Donc je vais clic droit, paramètres des segments et appeler ça statut avant rattrapage. Ce sera plus clair. Et ici, clic droit, propriété, statut
après rattrapage. Statut final, ça allait. Mais sinon, c'était juste ici, pouvoir avoir avant rattrapage, c'est plus précis, ça permet de mieux comprendre. Et dernier truc, c'est que ici, bah, évidemment, ça ne va pas être ma note, ça va être la note finale. Et ici, le nombre de personnes qui sont validées, mais à cet endroit. Donc voilà, on a tous nos indicateurs là, qui est au rattrapage, qui est pas au rattrapage, et puis la moyenne générale avant le rattrapage, la moyenne générale après le rattrapage, et le nombre de validés bah, qui forcément a augmenté parce que l'essentiel des gens qui étaient au rattrapage l'ont validé. Les deux tiers des gens qui étaient au rattrapage l'ont validé. Dernier petit truc, hop, ici, j'aime bien mettre couleur pour qu'on comprenne bien qu'il y a un petit effet visuel. Évidemment, je ne dis pas que c'est parfait comme ça. Je sais qu'on peut améliorer. Vous trouverez vos manières à vous de l'améliorer. L'avantage que j'ai, c'est que je sais que ce que j'ai fait là, c'est parfait pour être combiné via Power Query dans un méta-fichier dans lequel il n'y aura pas de copier-coller à faire. Simplement, toutes les maquettes de notes qui ont été remplies, hop, on les met dans un dossier et Power Query va combiner dans un autre fichier Excel toutes les notes pour avoir les moyennes de chaque personne sur toutes ces notes en fonction des points, des crédits ECTS que ça valait, par UE, etc. Donc, logiquement, on peut faire mieux, mais en faisant comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui va hyper bien fonctionner au niveau de la synthèse des notes d'une personne pour avoir édité, par exemple, de manière automatisée son bulletin et savoir sur 30 promos et 1000 étudiants. Qui est au rattrapage, sur quelle matière, qui valide pas, etc. sans avoir du travail à faire manuel avec des copier-coller, des trucs comme ça. Dernier truc à faire, c'est juste de protéger la feuille pour faire en sorte que n'importe qui puisse utiliser cette partie-là, dans laquelle il faut mettre des valeurs, qu'il faut compléter, modifier, etc. Cette partie-là aussi, ces parties-là. Mais pas tout le reste. Donc, on ne puisse pas modifier, qu'un intervenant ne puisse pas modifier la formule, puisse pas rajouter de colonnes qui viendraient ensuite empêcher de synthétiser toutes les valeurs de la même manière, ne puisse pas faire de modif. Et du coup, on va faire ça. Et donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord sélectionner toutes les cellules pour lesquelles quelqu'un puisse faire une modification, que quelqu'un à qui j'ai envoyé le fichier puisse faire une modification. Donc, par exemple, celle-ci. Celle-ci. Toutes celles qui contiennent des commentaires, alors je vais peut-être les sélectionner comme ça d'ailleurs, hop, je vais les sélectionner comme ça, et maintenant je fais ça, donc je reste appuyé sur CTRL, hein, simplement j'ai sélectionné et je reste appuyé sur CTRL. Je vois que tout est bien sélectionné ici, toutes les cellules pour lesquelles je veux qu'il y ait de la saisie ou de la modification qui puisse être faite sont bien sélectionnées, et maintenant je vais faire clic droit sur une des cellules, format de cellule, protection. Déverrouiller, je déverrouille. Donc j'enlève le verrouillage. Elles n'avaient pas l'air bien verrouillées. Hein. En vrai, même celle-ci, si je change quelque chose et que je mets XXX, elle n'a pas l'air bien verrouillée. En vrai, ce que je viens de faire, c'est que je viens de préparer le fait que ces cellules-là ne seront pas verrouillées quand je vais verrouiller la feuille. Pour verrouiller la feuille, c'est révision, protéger la feuille. Et là, sentez-vous libre de mettre un mot de passe si vous voulez. Donc, autoriser tous les utilisateurs à faire des choses, vous pouvez rajouter des choses. Je vais dire peut-être que je veux simplement, je vais laisser tel quel. Est-ce que je vais mettre un mot de passe? Vous n'êtes pas obligé de mettre un mot de passe. D'ailleurs, en vrai, je ne vais pas en mettre. L'idée, c'est que simplement, juste les gens puissent se dire, tiens, je voudrais modifier quelque chose ici. Donc, qu'ils essayent de modifier ici, que ça dise, non, désolé, c'est protégé. Et que du coup, ça les dissuade et qu'ils se disent, ah bah tiens, donc je vais plutôt changer la note, c'est plutôt ça que je veux faire. Pareil, là, rattrapage, quelqu'un se dise, bah ouais, mais je vais plutôt mettre 1,5 parce que c'est un peu de ma faute ou quoi que ce soit, et que du coup, ça passe à valider. Plutôt que de vouloir mettre rattrapage, mais sous réserve de quelque chose, ou simplement qu'il le communique quelque part, notamment dans les commentaires. Expliquer pourquoi, etc., plutôt que de vouloir modifier des formules ici, supprimer des formules, rajouter des colonnes. Pareil, normalement, ici, avec ce que j'ai fait, on ne peut pas rajouter de colonnes. Si je fais clic droit sur une colonne, je ne peux pas rajouter de colonne, je ne peux pas rajouter de ligne, je ne peux rien faire. Je vais supprimer cette feuille-là. Et pour que tout soit bien
bien protégé et je veux pas que quelqu'un puisse modifier, rajouter une colonne, une feuille dans laquelle la personne va dire bah oui, mais là c'était pour saisir d'autres notes en plus ou quoi que ce soit. Je vais vraiment protéger le truc au max. Bien sûr, ça va avec le fait que vous précisiez hein, que bah, ce fichier-là doit être utilisé tel quel. S'il y a des modifications que vous voulez faire, vous pouvez en parler par mail, n'importe quoi. Sinon, logiquement, tout est possible à faire avec ça. Et donc, le dernier truc que je vais faire, c'est protéger le classeur. Pareil, sans mot de passe. Et donc là, logiquement, la personne ne peut pas rajouter de feuille. Elle ne peut pas non plus supprimer cette feuille. Elle ne peut pas non plus modifier quoi que ce soit. Donc évidemment, je n'ai pas mis de mot de passe, Vous pouvez le faire. Il faut juste faire attention à ne pas l'oublier, sinon bah, vous pouvez avoir un problème. Et encore, ce ne serait pas forcément grave si la structure, vous la gardez et que vous ne décidez pas de la changer. Et du coup, là, vous avez tout. Voilà pour ce fichier complet de A à Z. Je vais en faire un deuxième. Je vais peut-être en faire un troisième. L'idée, ça va être de monter en complexité sur d'autres sujets, avoir des notes qui sont en lettres initialement, vouloir calculer la moyenne de notes qui sont en lettres, etc. Donc, je ferai d'autres choses. Mais en tout cas, on a un premier fichier qui fonctionne très bien, qui est robuste, qui est dynamique, qui va être aussi parfait pour pouvoir synthétiser différents fichiers du même style et obtenir toutes les notes de toute une promo ou de plein de promos sur l'ensemble des modules, savoir qui est au rattrapage, qui ne l'est pas, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile, j'espère que vous avez bien compris plein de trucs sur lesquels on a travaillé, c'était assez large en termes de formules. De fonctions, d'imbrication de fonctions, de format de cellules, de mise en forme conditionnelle, etc. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé ce que vous vouliez. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit message, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un que vous connaissez qui travaille dans ce domaine-là et à qui ça pourrait être utile. Et puis n'hésitez pas à vous former aussi. C'est toujours le meilleur truc parce que là, je montre et je montre plein de trucs, mais en vrai, ces trucs-là, vous pouvez les faire par vous-même avec vos contraintes, vos objectifs, vos spécificités. Et la meilleure manière d'apprendre à faire ça, c'est de vous former. À bientôt pour une prochaine vidéo.